Salut tout le monde, c'est Hengu et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte avec le très grand, le fabuleux, le mythique Age of Empires HD édition puisqu'il revient sous une forme un peu plus améliorée, enfin améliorée oui et non. Vous allez le voir, le jeu reste dans la forme exactement identique à la version qui a pu sortir il y a bien des années maintenant. C'est un jeu qui ne se présente plus, c'est un jeu juste énorme, exceptionnel. Moi j'en ai de très très bons souvenirs, je crois que je le faisais tourner sur mon vieux Windows 98, hein, c'est pour vous dire sa date. Et donc ce que je vous propose de faire dans cette petite vidéo qui n'est pas une vidéo découverte, mais on va dire plus une vidéo un petit peu à la One Again, Beast to Fly, on va faire une partie, pas en multijoueur parce que je pourrais pas faire ce que je veux faire, on va lancer une petite partie et je vais utiliser les codes. Les cheat codes de l'époque ou pas, je sais pas si on a des nouveaux. On va voir ça ensemble et voir un petit peu eh bien ce que ça donne. Donc on va choisir une nation. On va prendre. Bon, aléatoire, voilà, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Et ici, dans cette vidéo, eh bien nous allons tester un petit peu tous les codes, voir ce que ça fait. Je m'en souviens de quelques-uns, notamment ceux qui permettaient d'avoir des ressources tout simplement, et on avait aussi une voiture, je me souviens, je crois que c'était une Mustang ou quelque chose comme ça. Donc le principe de ce jeu reste le même, on évolue notre base, on évolue également dans les âges. Donc là je suis au plus bas de l'échelle et pour ce faire je vais utiliser des villageois qui vont récupérer des ressources, ce qui va me permettre de construire des bâtiments, d'évoluer, etc., etc. Donc comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo un petit peu spéciale, on va utiliser tous les codes que j'ai sous la main. Donc on commence tout de suite avec, hop, on est parti, avec Shistek. Shistek, je sais pas c'est quoi, apparemment c'est pour avoir de la nourriture. J'ai dû mal l'écrire, je crois que je l'ai mal écrit. Shistek Jimmy en fait, ok, j'ai pas lu jusqu'au bout. Ok, hop, je crois que c'est bon, attention. Yes. Oh la vache, on gagne pas mal. On gagne pas mal. Robin Hood, ah oui, le célèbre Robin des Bois qui vole aux riches pour donner aux plus pauvres. Hop. Et donc ça nous donne de l'or. Rockon, je suppose que c'est pour la pierre. Yes. Lumberjack, c'est marrant parce que là je suis en train de vous dire les codes. Vous êtes en train de les voir en même temps à l'écran. Et c'est vrai que petit à petit, bah, ces codes me rappellent étrangement des choses. I love the monkey head. C'est quoi ça? J'aime les têtes de singe, c'est ça? I love the monkey head. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, oh la vache, le machin il se déplace super vite. C'est quoi ce truc? Ok, bah vous savez quoi? Il va me servir d'éclaireur. Regardez ça. Regardez à la vitesse où il va. Attendez, j'arrive même pas à le suivre. Et là en plus je suis en vitesse normale parce qu'il faut savoir que on peut accélérer le jeu. Ouais, j'ai du mal à suivre. Allez. Eh, franchement lui il doit être vraiment pratique, hein. Alors je sais pas si on peut, je pense pas hein, qu'on puisse utiliser les codes en multijoueur. Bon, allez, on va le laisser tranquille. On va continuer à faire nos autres codes. Donc ah bah tiens, j'ai repéré la base ennemie. Attendez, elle est là. Bon ouais, c'est pas grave, on est passé, on sait à peu près où ils sont. Ok, très bien, allez on continue. On continue sur notre petite lancée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Full map. Bah ça c'est pour voir tout. Allez, on va faire ça. Marco. Ah, Marco Polo. Voilà. Ensuite. Kill all opponent. Non, ça c'est pour tous les tuer. Instant victory non plus. Instant lose, c'est pour. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Polo. No shadow, c'est quoi Polo? Allez, on va essayer ça. Polo. Ah oui d'accord, il n'y a plus cet effet de brume. Ok, très bien. Il y en a un Cobra Car. Ah, Aegis. Aegis, ça c'est pour construire tout d'un coup. On va tester. Hop, donc je vais lui dire de faire une maison. Mais normalement, en un coup de marteau, bim. Ok, nickel. Ah ça c'est vraiment pratique ça pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a commit suicide. Alors qu'est-ce que c'est? Je le tente ou pas? Je sais pas. Allez, on va le tenter. On va le tenter, on va le découvrir ensemble, hein, c'est pas évident. Wimpy. Alors parce que j'ai mon téléphone dans les mains. Hein. Wimpy. Non. Oh. D'accord.
Bah voilà, vous le savez, c'est pour mourir quoi. Saboteur unit. Bah du coup j'ai perdu. C'est pas grave, on va recommencer. On va recommencer, on va faire mon autre petit code, qui est celui-ci qui m'a l'air pas mal. L'unité saboteur. Donc c'est le tout. Tout Smith Misseren de. Ah, vous avez admiré mon accent. Terrible accent. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Saboteur. Ok, très bien. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite partie. Je vais faire mon I Love Monkey Head là, voilà, c'était bien ça. Pour vite I Love Monkey. Hop. Voilà. Normalement j'ai mon. Il est où? Non zut, ça a pas marché. C'est pas ça? C'est ça ou pas? Ah, I Love the Monkey Head. I Love the Monkey Head. Head ou Head, je sais pas. Ok, il a été fait. On va faire également Aegis. Voilà, parce qu'on va pas tricher. Hein, parce que, de toute façon, c'est la vidéo spéciale triche. Attends, on va juste vérifier que le code a fonctionné. Ok, c'est bon. Voilà, donc, et maintenant, on va faire Robin Hood. Je crois que c'est comme ça qu'on a écrit tout à l'heure. Je ne retiens absolument rien de ce que j'écris. Robin Hood. Bah, c'est ça, non? Voilà. Ensuite. Recon, hop. Ah. En fait, quand ça marche pas, on a un petit son hein, qui vous dit au final que ça n'a pas marché. Lumberjack. Là, et le plus chiant à écrire, cheese steak mise. Yes, allez, c'est bon. Là, je pense que on a de quoi bien s'amuser. Ah non, non, non. Il y a un truc que j'ai pas fait. Un truc que j'ai pas fait. J'ai pas mon petit véhicule. Hein, ça je l'ai pas fait il me semble. On va le faire tout de suite. Ne perdons pas un instant. C'est how to turn season. Et bah voilà. Alors, c'est pas beau ça? Allez. On a tout ce qu'il faut pour gagner. Pour faire en tout cas une belle petite partie. On va utiliser notre Flash Gordon. On va appeler le saboteur parce que je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire. Toi tu vas aller là-haut. Et vous les petits gars, on va construire des petites choses. Donc faire ces codes là, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Hein. Franchement, c'est juste pour le fun, c'est juste rigolo, voilà, de faire 2-3 unités comme ça, un petit peu complètement craqué de toutes parts. Et ça, ah oui, mais ça marche même pour les ça marche même pour les recherches. C'est pas seulement les constructions, ça marche pour les recherches. Hop. Alors tiens. Ouais, ouais. Ouais, ouais, le mec il se balade comme ça, à poil, tranquillement. Ok, bon, retourne à la maison, c'est bon. Hop, tu vas. On va te poster juste devant la base. Et, alors, c'est nouveau ou pas, apparemment, on peut créer jusqu'à 500 unités. 500 unités, c'est, il me semble qu'à l'époque, le maximum d'unités qu'on pouvait construire, c'était 200. À moins que je confonds avec Starcraft. Je crois que Starcraft c'était 200 maximum. Si apparemment on peut en faire beaucoup. Alors je sais pas du tout si c'est une erreur ou quoi ou qu'est-ce. On verra bien. Donc là vous voyez là, le nombre de la limitation ici est à 30. Mais il faut que je construise des maisons pour tout simplement avoir plus de place pour les accueillir. Ça va faire pas mal de maisons hein, parce que là c'est quoi, ces maisons me font que de 5 en 5. Pas énorme. Je suis en train de penser à une chose là. Est-ce que le code est valable également pour eux? C'est pas du tout. Je crois pas hein. Enfin j'espère pas en tout cas. Sinon je suis. Ben, on va se faire une petite forge. Hop hop. Voilà, nickel, tout va bien. Allez, le jeu je crois qu'on va. On va le finir très très vite là. Alors, il faut savoir que il n'y a pas que du multijoueur, il n'y a pas que des modes escarmouche. Vous avez un mode campagne et moi à l'époque, j'avais vraiment, mais vraiment accroché au mode campagne. C'était l'un de mes tout premiers jeux, donc franchement, c'est pour ça que j'en garde de très très bons souvenirs. Moi j'avais même acheté l'extension, je me souviens plus. Moi je jouais, je suis pas sûr, mais je crois que je jouais Jeanne d'Arc, quelque chose comme ça. Je crois que c'était l'extension.
Il fallait que je rejoigne le dauphin. Oh là là, enfin bref. Est-ce que je peux évoluer un peu? Pourquoi je peux pas? Ebet? Attention, on rigole plus là. Là, on rigole plus. Voilà. Ah, vous venez ici. On va se préparer. On va préparer un gros truc. Hein. Quitte à les défoncer, hein, on va se mettre bien à l'aise. On va faire une armée de fous, une armée de folie. Ils vont rien comprendre. Ils vont rien comprendre. Ils vont se dire, mais comment il a fait pour aller si vite? Heureusement qu'on n'est pas en multijoueur. De toute façon, en multijoueur, je suis presque sûr à 100% qu'il n'y a pas les codes. Alors, attends, on va leur dire de venir directement ici. Ça va être trop serré, on va rien comprendre. Est-ce que je peux leur ordonner de faire... Ah, cool. C'est un petit peu lent, un petit peu long. Ah, bon. Comme ça, c'est le jeu... Busta. Je sais même pas quel pays j'ai. Ah, les Turcs. Alors attendez, est-ce que je peux assigner la course? Ah. Oh yes. Ah zut, je peux pas. Je suis obligé de. Bon. 110, ça m'a l'air bien. Voilà, 115 même. Allez, on est parti. Allez, allez. Papili. Allez. Voilà, on a les 115. Là, on a... Enfin, les 115. Ah zut, je peux pas. Ils sont trop nombreux. En fait, je peux faire qu'une seule cargaison. Petite cargaison de soldats. Ah voilà, allez. On va attendre qu'ils se mettent bien. Donc, on a la dinde qui gêne. Oula, ils sont paniqués là. On va faire deux unités. On va en envoyant également les villageois. On va envoyer tout le monde se faire rétamer la face. Okay. Ah, chacun son boulot. Donc, allez, c'est parti. Sauf que le problème, est-ce que je peux les assigner là? Parce que, ou genre groupe 1, groupe 2. Le problème, c'est que là, je crois qu'on pouvait à l'époque. Je me souviens plus. Ça donne l'illusion qu'ils sont plus nombreux. Attention, vous êtes attaqué par quoi? On est attaqué là. Je vais attaquer apparemment, je sais pas par qui. Rentrez à la maison. Rentrez tous. Normalement il y a... Voilà, il y a la petite cobra là. La cobra, on va la mettre de côté, elle sera là en soupape. Il y a besoin. Vous êtes attaqué par des animaux sauvages, mais où je suis attaqué par des animaux là? Allez mes petits soldats, on est bientôt arrivés. Apparemment je suis attaqué par des cerfs. Ah mais non Non mais les gars là, vous faites attaquer par un loup, vous faites rien quoi. Ok. Les mecs super. Super comment dire, ils désobéissent pas quoi. On leur dit d'aller là-bas, même si entre temps ils se font attaquer, ils ne bougent pas. Très bien. On appelle ça plus communément des boulets, voilà, des boulets. Ou alors une... Oui, oh d'accord. Tout va bien. En fait, ma voiture se met à attaquer tranquillou, direct. Non, non, mais va-t'en. Non, mes soldats, ils auront plus rien à tuer, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Non, mais... Ah bah lui, mais il cherche, lui il cherche, allez. Allez. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Bon, préparez-vous, parce que nous, on arrive, là. Non mais c'est pas vrai, je vais me faire tous les loups du jeu quoi.
Ah mais j'ai les deux dindons. J'ai les deux dindons. C'est bon, je... c'est bon, j'ai de quoi gagner là. Là, je pense qu'avec mon petit dindon. J'aurais aimé. Eh, c'est des boulets quand même. Bon. On y est ou on n'y est pas là? Allez les gars là. Déplacement offensif. Ah, on va venir ici. Un jeu que j'avais bien aimé qui est apparu un peu plus tard mais que je trouvais un petit peu dans la même veine. D'ailleurs j'avais pas lâché Age of Empires 2 à cette époque là. C'était Cossacks, je sais plus comment on le prononce. Allez c'est parti. Qui par contre était à une quand même à une plus grande échelle au niveau du. En termes d'unité, on pouvait vraiment créer beaucoup plus de soldats. Allez les gars, c'est parti. Voilà. C'est le dindon. Les deux là, c'est les dindons porte-bonheur. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est la mascotte. C'est notre mascotte. Allez, c'est parti, on y va. On défonce tout. Regardez les prêtres là, me saluent. Ils savent même plus qui on est là. Allez, on attaque, on pénètre. On pénètre en plein milieu. Hop, la deuxième charge arrive. On se met ici. La Dodge Viper là, qui est ici, va faire un contournement. Faites-vous plaisir les mecs. Oh, ils attaquent même pas. Ils sont complètement désarçonnés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Eh, mais ils ont vraiment bien évolué par contre. Hop. Ah voilà. Allez c'est parti. Le combat fait rage. On ne sait pas qui va gagner. On a une petite tendance à dire que. Oh là là, mais ils sont très très vite. Allez les gars, faites-vous plaisir. Détruisez tout sur votre passage. Ne faites pas de captifs. Tuez les tous, femmes, enfants, chiens, brebis ou dindons, tuez les tous. Voilà. C'est bien, saccagez tout, prenez tout, détruisez tout. Oh là là. Mais franchement quand. Allez, là je suis super content quand même de faire cette vidéo. Mais à l'époque, ce jeu c'était une véritable bombe atomique. Et quand on gagnait une bataille, quand on avait une victoire, on la savourait sa victoire, parce que c'était un jeu qui était quand même pas aussi facile que, voilà, qui peut paraître à l'écran. Hein, mais... Allez. C'est que même avec le code, là j'ai l'impression que j'en chie quand même un peu. Hein, en fait, je suis vraiment un noob là. Il est où mon véhicule? Alors, on va lui dire de détruire la maison mère, comme ça au moins ils pourront plus. Créer de villageois. Allez. Ah mais c'est moi ou en fait ils nous ont bien mis la fessée là. Allez, sur 115 on est passé à 43. Le truc de dingue. Hop, où tu vas, calme-toi. Voilà. Bon et allez. Enfin. Allez les gars. Heureusement que j'ai fait deux unités. Je crois que c'était pas trop. Hein. Bon, bah écoutez, je pense que. Ah bah tiens, il est là lui. À quoi il sert? D'accord. Ouais en fait il explose quoi tout ça. Ah mais si ça fait plein. Oui quand même ça fait des petits dégâts de zone, ok. Bon bah écoutez, non mais super fort en fait. Ils ont une autre base ici. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo voilà un petit peu à l'arrache, voilà. Vidéo faite à l'arrache juste par curiosité pour voir pour me remémorer aussi les codes. Mais voilà, Age of Empires 2, mis à part bien ces codes, ça reste un excellent jeu, que ce soit pour le mode campagne ou tout simplement pour faire des escarmouches. Je vais pas vous parler du multijoueur parce que je ne l'ai jamais testé déjà à l'époque et même maintenant, je sais même pas si. Bah écoutez. Je crois qu'on peut pas. Ah si, on peut. Si, bah, allez, à l'époque, voilà, j'avais pas internet à l'époque, c'était pas aussi répandu que maintenant. Et j'ai jamais testé le mode multijoueur.
Pourquoi pas, à l'avenir, je vous ferai peut-être une vidéo sur le mode multijoueur où je vais très 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 certainement me faire défoncer la gueule. Bref, en tout cas, c'était pas le but de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, eh bien, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!